que ça lui vient dans la palette. Oh, la déviation. Et c'est encore sauvé. Allez, Golitic. Vas-y. Aïe, 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 aïe. Eh, c'est chaud de goutte, hein, là. Ouais, ça, là, capitaine. On se sacrifie. Ouais, mais... but. Ah, là, ouais. Juste au-dessus de l'épaule, là. Ouais. Superbe but de Correa. Il n'a pas bloqué son angle, en fait, Isaac Charpentier, mais ça fait 1-0. Debien. Il faut rentrer, Debien. Voilà. Il attend un petit cœur, il va pas pouvoir passer. Ah, non. Dommage, attention au contre. Attention, il y a un 2 contre 1, il faut que ça patine. Allez, Pistilli, fais l'effort, reviens. Bon, il y a hors-jeu, là. Oui, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, là. Il y a hors-jeu. Il y a 2-0 pour Gap. Il faut vite revenir dans ce match pour les Scorpions de Mulhouse. L'envie est là, en tout cas, on voit, mais il y a un petit quelque chose qui manque pour le moment. Il y aura un dégagement terminé, bien joué. Feinté. Pistilli. Pistilli, ah, il était contre. Il voulait faire la passe à Milan Juric. C'est pareil, c'est une passe qui n'arrive pas. Oh, le poids. Il n'y a pas de pénalité là. Bon, ok, d'accord. Quand on s'appuie sur le joueur, il n'y a pas de pénalité. Ah oui, oh, oui. Quel but de Pistilli. Super but de Pistilli sur une belle remise de la belle. Défonce vraiment pour l'équipe là. Je vous rappelle que c'est sa dernière saison, hein, Olivier Labelle. Allez, Quatron, Quatron, Quatron. Ouais, il n'a pas, pas pu passer. Tir, ouais. Tout de suite, l'axo. Ouais. Milan Juric. Ça fait tourner le puck là pour le moment. Décale, voilà, c'est fait. On va prendre le shoot. Oh, quel but! Égalisation de Philippe Pietro Niro sur cette remise de Pistilli. Et Olivier Labelle encore. Bien sûr. L'assist de ce but. Hein. Munier. Ah ouais, il a été bloqué. Il a été bloqué là. Oiseau. Ouais, on attend peut-être un petit peu parce que. Pour essayer de. De finir cette pénalité de son la côté. Passe. Mais attention. Non, mais non, mais non, attention, quelle erreur là. Et but. Eh oui, alors là c'est une grosse erreur des Zipov. Ah oui, tu peux t'en vouloir hein, parce que là. Ouais, ouais, il a tricoté. Tillet. Les deux équipes sont complètes. Marqué par le numéro 72, Benjamin Lagarde, assisté du numéro 91, Arthur Mikevic. Mikevic, un assistant. Il reste 4 minutes 50 effectivement dans ce deuxième quart-temps. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. C'était bien Lagarde effectivement qui a marqué ce but. Il faut prendre des tirs les garçons parce que c'est bien beau de s'approcher. Voilà. Oh et oui, et voilà. Super. Il suffisait de le dire, c'était bien. Heureusement, c'était bien. Effectivement des biens. Nous remet dans le droit chemin. Un assistant. Non, là, il y a peut-être une pénalité, non. Le Rousseau, ouais, face à ce Soulnoff, faut déjà y aller, quoi, parce que. Ah, il a fait du gros boulot, là. Tu peux enlever les têtes de Rousseau quasiment. Elle repasse par le centre. Voilà, c'est fait. Ah, c'est dommage, il a. Il a son on le rend à Gap. Oh oui. La belle. Pernou. Qui remet sur Pernou, mais non, c'est repris par Gap et ça relance. Pietro Niro. Ouh, joli, ouais, joli la belle. La belle, shoot oh, le de la gros belle. Shoot de la belle. Et la prend et oui ah, la puissance fait que la puissance Olivier Labelle. Et on dit à la verticale, il l'a pris sur le dos et ça a roulé. Attention, là les gars pensaient. Ouais, ils sont piqués. Ils sont ouf, piqués, là. Piqués. Doublement piqués. Ouf, la déviation, on va faire le tour et but. Ah bah voilà, et voilà. Et oui, on n'a pas le temps de... Donc c'est le 85, c'est ça, c'est Roi. Pernou, Pernou qui remonte le puck, Rousseau, Rousseau qui envoie. Soshunov. Soshunov, effectivement. Ah, on y va là-bas avec lui. 31 secondes, but pour Gap, marqué par numéro 85, Sébastien Roy. C'est ça, c'est Roy. Assisté du 82, Romain Gutiérrez et le numéro 7, Charles Lambert. Suivez un petit peu ce rebond. Ouais, c'était un gros break, ça. C'était bien. Devant, il voyait au fond pour Milan, Juric.
Pistilès. Il va faire le tour de la cage. On va essayer de peut-être trouver l'axo. Non. C'est ça, ouais, il va essayer. C'est la déviation de Milan Djuric, non? Non, je ne crois pas. Et le but est libre, hein. Donc allez Milan Djuric, allez Milan, allez vas-y, allez Milan, continue. Et voilà, c'est Olivier Labelle qui va. Allez 1 minute 30, tout le monde se lève ici. 52 minutes et 17 secondes de jeu, but pour Mulhouse marqué par le numéro 93, Olivier Labelle. Elle appelle sur tout. Allez, 10 secondes. Faut tenir encore 10 secondes. Ouais, je pense que... Ouais, bon, joli contre. Hein. Ça va finir là-dessus. Ah non, il but. Sur le gong. Ouais, il y a quand même un but, effectivement. Sur le gong.